Rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous, re-bienvenue sur LTU Radio. Voilà pour l'émission de Quête, l'arbre aux étoiles, l'émission de psychogénéalogie, voilà, et de transgénérationnelle et de tarot, parce que notre ami Quête officie dans pas mal de domaines. Voilà, donc je vais l'accueillir de ce pas. Salut Quête. Bonsoir tout le monde. Ça va Quête, tu vas bien? Ça va bien. Voilà, ça faisait un petit moment parce que la fois dernière, on avait dû annuler l'émission. Mais oui, faute de combattants. Faute de combattants, voilà. Mais là, il y en a maintenant, donc c'est bien. Oui, oui, c'est parfait. Voilà, comment vas-tu? Très bien, très bien. Voilà, ça t'a fait un petit peu des vacances, on va dire? Oui, oui, oui. Voilà. Mais bon, j'aime bien, moi, donc ça m'a manqué aussi un petit peu. Ben oui. Mais je crois qu'on est tous pareils, on est un petit peu accro et voilà. Moi, ce soir, j'ai eu une personne qui a manqué un appel en tout dernier dans l'émission. Oui, j'ai entendu. Voilà, ça m'a mis un petit peu en colère, alors que finalement, c'est moi qui suis en tort, donc je tiens à m'excuser parce que ça arrive aussi. Voilà, en fait, c'est une personne qui a déménagé et qui m'avait donné son numéro de téléphone portable pour qu'elle puisse me rappeler. Et puis, dans la foulée de l'émission, j'ai complètement zappé et puis voilà. Donc, Marjorie passera en premier la semaine prochaine. Voilà. D'accord. Voilà, mais je tiens à m'excuser parce que, voilà, même à moi, ça m'arrive, je vois le voyant, ça m'arrive de faire des bêtises. Voilà. Voilà, ceci est dit. Donc, voilà. Alors. Là, on commence avec qui? Alors, on va commencer avec Magali, mais. Je ne sais pas, est-ce qu'on s'écoute une petite chanson avant? Oui, je pense. Hein. Comme hein? Tu le sens. Bah oui, parce que... Ouais, allez, on s'écoute Louane qu'on a entendu tout à l'heure, mais là c'est avec son dernier tube, Maman. D'accord. J'adore cette chanson. Voilà. Allez, on accueillera ensuite Magali. À tout de suite. Voilà, et on retrouve donc Quête en compagnie de Magali. Allô, allô, allô. Bonjour, Jeff. Voilà, ça va Magali? Oui, très bien, je te remercie. Voilà, je vais te laisser en compagnie de Quête pour faire ton thème. D'accord, et voilà. Je te remercie beaucoup, Jeff. Et on se retrouve après. D'accord. Voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonsoir, Magali. Bonsoir, Quête, tu vas bien? Ça va, et toi? Oui, oui, très bien, ça va. Alors, petite vérification d'usage. 8 janvier 71? C'est ça. 21h. Voilà, c'est ça, oui. Alors, ce qui donne un soleil en Capricorne avec un ascendant Vierge et une lune en Gémeaux. Alors, du point de vue de la psychogénéalogie. Donc, comme d'habitude, je revisite les trois maisons, maison 4, maison 8, maison 12. Maison 4, donc la maison des origines, du foyer d'où l'on vient, enfin de toutes les racines, elle est habitée par 4 planètes, dont un regroupement Vénus, Jupiter, Neptune, qui a priori donne quelque chose de plutôt sympathique. Ah, c'est déjà ça. Voilà. Alors, la maison 8, qui est la maison des tabous, des crises passées par les générations, enfin vécues par les générations précédentes, on trouve le fameux Chiron, qui est à la fois la blessure et le guérisseur. Ce qui sous-entend que tu traînerais bien, effectivement, une blessure familiale, enfin ancestrale, que tu serais chargé de mettre à jour et de guérir. D'accord. Si on regarde dans la maison 12, qui est la maison des mémoires enfouies de génération en génération, il se passe des choses, il y a des choses qui se reproduisent, mais en fait on ne sait plus très bien pourquoi, parce qu'on a oublié l'origine du problème. Et là, on trouve le nœud sud, qui est un point karmique, mais qui est aussi... en fait, c'est toutes les valises avec lesquelles on arrive.
Ce qui sous-entend que, avant ta naissance, eh bien, les générations précédentes t'ont fait un cadeau empoisonné, puisque le cadeau de toutes ces valises qui portent à la fois des choses positives, mais surtout des choses négatives. D'accord. Voilà. Donc, mais. Du coup, ça donne une interprétation un peu délicate dans la mesure où à la fois on a bien un aspect transgénérationnel négatif avec des valises et puis la blessure, et en même temps, ce qui est relié aux origines, c'est quelque chose de plutôt sympa, hein, parce une conjonction Vénus-Jupiter-Neptune, ça marque plutôt la chance. D'accord, oui. Voilà, alors, comment ça te parle tout ça? Eh ben, disons que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de difficultés et par rapport donc côté familial. Sur un côté familial, je connais pas grand-chose. Mais c'est vrai que du côté des deux familles, ça reste assez compliqué. Donc moi je me souviens que j'ai toujours eu des problèmes de dos, donc je ne sais pas si c'est à force de porter ou quoi que ce soit, mais il y a des schémas aussi qui se répètent. Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'était intéressant. J'avais voulu m'inscrire à ton émission pour en savoir davantage par rapport à tout ça en fait. Alors, donc, les problèmes de dos, l'histoire de portée, ça pourrait être effectivement relié à Saturne. Hein. Saturne, c'est la structure, c'est la colonne vertébrale, qui est en opposition à la planète Mars. Hein. Donc, ça signifie qu'effectivement, il y a des conflits. C'est en même temps lié au Soleil, donc à l'identité. Le Soleil étant un Capricorne, et le Capricorne, c'est sa planète, c'est Saturne. Donc effectivement, c'est comme s'il y avait quand même un héritage de quelque chose d'assez rigide, à la fois conflictuel et à la fois rigide. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est comme si cette configuration sympathique qu'on retrouve dans les origines, elle n'était pas possible à vivre. D'accord. À la fois c'est présent et en même temps c'est comme s'il n'y avait pas le droit de profiter de cet héritage positif. D'accord, très bien. Donc, Avec Saturne, il y a quelque chose toujours du registre de la frustration, voilà, du devoir. non, mais ça, c'est complètement ça par rapport au devoir et à la rigidité. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, je l'ai vécu en étant très très jeune. Je l'ai vécu. Et puis, c'est vrai que je l'ai reporté également à mon tour sous l'éducation de mes enfants. Donc, je m'aperçois de beaucoup de choses aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui seraient à refaire et j'agirais différemment. Mais bon, là, voilà, quoi. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et est-ce que tu connais les origines sociales des deux lignées maternelles et paternelles? Non, la famille du côté de mon père, ayant très peu connu mon père, si tu veux, je n'ai pas gardé de lien ni de souvenir avec cette partie-là. Et côté maternel, non plus, puisque ma mère avait été plus ou moins un peu rejetée, donc ce qui fait que je n'ai pas connu sa famille. Oui, mais est-ce que tu as des informations sur les professions exercées? Alors, ils étaient tous les deux, enfin des deux côtés, hein, ils étaient tous les deux agriculteurs. C'est ce que je me souviens.
Parce que, et toi, ton rapport je vais dire, à l'argent, à la réussite sociale, comment tu te positionnes par rapport à ça? Comment je me positionne? Disons que j'ai toujours en moi cet esprit, cette envie de réussir, d'acquérir un meilleur emploi ou une réussite par rapport à une éventuelle carrière, mais c'est vrai que j'ai un autre côté aussi où je laisse aller les choses, où je ne vais pas en profondeur. Et en fait, j'ai ces deux côtés. Un côté fonceur, travailleur, mais un autre côté qui me retient. Moi, je t'inviterais à faire quand même une recherche, parce que de toute façon, déjà, tu as les dates de naissance et lieu de tes parents. Oui. Ils sont toujours vivants, tous les deux? Non, 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 ils sont partis tous les deux. Oui. Donc, tu pourrais récupérer les actes de naissance déjà. Donc, les actes de naissance complets, hein, pas les extraits. Ce que qui te donnerait déjà la profession de leurs parents. D'accord. Et remonter comme ça. Donc, après, en demandant les actes de naissance des grands-parents, tu auras la profession de tes arrière-grands-parents. Et remonter comme ça sur les professions, sur plusieurs générations. Parce que ça laisse effectivement supposer qu'à un moment, c'est quand même. Alors, peut-être pas les deux lignées, mais au moins une, où il y a eu de l'argent. Et il y a eu de l'argent et un statut social, ou l'un ou l'autre. Je pense que c'est plus du côté maternel parce que sa mère, enfin ma grand-mère, possédait des biens. Mais comme ma mère, c'était le vilain petit canard, elle n'en a pas vu la couleur lorsque sa mère est partie, quoi. Donc, je sais, je me souviens que du côté de ma grand-mère maternelle, donc il y avait un peu d'argent. Voilà. Et en plus, tu vois, la blessure chez toi, elle est dans la maison 8, qui est aussi les héritages et l'argent qui vient des autres. Et je pense qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là, parce que probablement à un moment, il y a eu de l'argent ou un statut social important, et soit ça a été dilapidé, soit ça a été confisqué. Enfin, il y aurait quelque chose d'un interdit, soit de jouir de l'argent, soit de jouir d'un certain statut social, ou bien la peur de, si on a de l'argent, si on a un statut social, on risque de tout perdre. Mais il y a quelque chose à creuser derrière ça. D'accord. D'accord, mais Qui je fait serais qu'il même dans y a une espèce de rigidité, Et je pense que l'histoire de ta mère, le vilain petit canard, c'est aussi à creuser. Pourquoi elle était le vilain petit canard? Qu'est-ce qu'elle avait pu faire? Ou simplement à qui elle ressemblait? Qu'est-ce qu'on avait projeté sur elle qui fait que. Elle était vécue comme le vilain petit canard. Alors ça, on peut retrouver par exemple par rapport au prénom. Oui. Hein, les deuxièmes, les troisièmes prénoms, à qui ça pouvait faire. Mais à ce moment-là, il faut aller chercher aussi dans les oncles et tantes et les arrière-grands-oncles et arrière-grands-tantes. Parce que ça pourrait laisser supposer que soit une femme a dilapidé l'argent, où elle a fait un beau mariage, comme on l'appelait, et que ça a été mal vécu, ou bien un fils a épousé une femme qui était pauvre et qui n'était pas du même monde, avec la même éducation, et comme si peut-être
Ta mère, c'était... On avait projeté sur elle ça. Tu vois? D'accord. Oui. Après, elle n'a pas connu son père, hein, puisque bah, elle est née pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que sa mère ne lui en a jamais parlé, non plus. Je sais qu'ils ont divorcé. Elle était très jeune. Et elle n'a jamais entendu parler de son père. Donc, après, je ne sais pas si ça peut être de ce côté-là aussi. Aucune Mais idée. ça peut être des histoires de mésalliance, hein. Enfin, ce qu'on appelle, on appelait les mésalliances. Oui. Mais il va falloir que je recherche alors. Parce que du coup, ça peut effectivement jouer sur ton côté où effectivement, il y a quelque part en toi une envie effectivement de réussite et d'élévation sociale et en même temps quelque chose qui te donne pas l'énergie parce qu'il n'y a pas le droit, quoi. Hein? D'accord. Et donc, c'est moi qui aurais décidé de prendre ce fardeau, entre guillemets. Ben, si on considère qu'on avant de venir, on choisit sa famille, oui. Tout à fait. Et oui. Ouais. J'ai bien réfléchi sur le coup. Mais bah, écoute, c'est très intéressant ce que tu me dis. C'est vrai que bon, après, je sais un peu où aller rechercher les informations. Enfin, jusqu'où ça peut me mener, je ne sais pas, parce que bon, j'ai pas beaucoup d'éléments non plus. Mais pourquoi pas, oui. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser là. Et D'accord. en plus, si c'était des gens qui étaient agriculteurs, qui avaient des terres, on peut aussi retrouver. Alors après, ça, faut peut-être se rapprocher d'un site de généalogie pour savoir comment s'y prendre. Mais souvent, les gens de la campagne et qui avaient des terres, il y avait souvent des actes notariés et souvent il y avait des contrats de mariage. Et ça D'accord. aussi, ça peut être intéressant d'aller voir les contrats de mariage. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que je ne me suis jamais renseignée. Hein, en fait, ça m'a jamais plus intéressée que ça. Et depuis quelques petites années, c'est vrai que je commence à faire le rapprochement de me dire pourquoi il m'arrive des choses et d'où ça peut venir. Et puis, bon, évidemment, ça évolue. Hein, tout ce qui est généalogie, etc., on entend un peu plus parler, donc on se pose plus de questions aussi. Et donc tu peux peut-être aussi demander, en plus des actes de naissance, les actes de mariage complets, puisque là tu verras, alors ce qui est intéressant aussi, hein, dans les actes de naissance, on n'y pense pas toujours, et dans les actes de mariage, c'est de voir les témoins. Le niveau social des témoins, parce qu'il y a aussi les professions, voir si c'est des gens de la famille qui ont été témoins. Et puis, sur les actes de mariage, il est précisé s'il y a eu un contrat. D'accord. D'accord, très bien. Et tu penses que ça me permettrait de d'y voir un peu plus clair aujourd'hui et de pouvoir avancer un peu plus? Mais disons que ça te permettrait d'avoir confirmation effectivement si ta difficulté à te donner l'autorisation de réussir socialement et professionnellement, c'est pas lié justement à à l'histoire des ancêtres, à leur profession et voilà, parce que là, à travers les professions, tu vas voir effectivement s'il y a des mésalliances en Oui. fonction des... Déjà, et puis, tu sais, quand tu vois aussi quand les gens se sont mariés, puis après, quand les enfants arrivent, il s'est passé quelquefois un certain nombre d'années, et tu vois s'ils ont changé de profession. D'accord, oui. Hein? Et du coup, tu te rends compte s'il y a eu une perte de statut social ou au contraire si on s'est élevé. D'accord. Eh bien, écoute, je me renseignerai de tout ça.
intéressant à savoir. Parce que c'est pas. Elle est tellement belle, cette conjonction au fond du ciel, oui, au fond du ciel, que ça devrait être. Pour toi, il devrait y avoir un élan de spontané. Et je te dis, c'est vraiment une configuration de chance. D'accord. Donc, il y a des choses qui devraient être très faciles avec cette combinaison. Et en plus, il y a Mars qui vient se joindre, même s'il n'est pas dans la même maison. Et du coup, ça donne une forme d'énergie. Donc, spontanément, tu devrais tourner vers ça. Ça devrait vraiment être facile. Et en même temps, c'est pris dans cette problématique des valises, là. Donc, du coup, ça empêche, alors que ça devrait être vraiment facile. D'accord, très bien. C'est vrai que après j'ai des projets, j'ai plein de choses en tête, mais je n'arrive pas à les démarrer. Oui. Parce qu'il y a Voilà. quelque chose, ça fait comme une forme de procrastination où on remet à demain, où il y a, voilà, où il manque une énergie, le moteur qui va faire qu'on va se lancer, parce que soit on sent qu'on n'a pas le droit, ou on a peur de la perte, ou on ne le mérite pas. Tout à fait. Tout à fait. Puis bon, aussi, il y a des phrases, hein, il y a des phrases toutes bêtes, mais quand on est gamin, ça fait relativement mal. Donc après, c'est vrai qu'on se les met en tête et puis ça nous suit toute notre vie aussi. Donc il y a des choses comme ça aussi qui peuvent être là également. Et c'est quoi comme genre de phrase? Je sais pas. Tu dis pas, donc t'es un bonnet d'âne, ou alors tu réussiras jamais, ou voilà ce genre de petites phrases. Voilà, bon, après, c'est vrai que ça reste ancré, donc ça peut mettre un certain frein aussi également. Mais en même temps, tu vois, si tu entends bien, c'est intéressant parce que ça relie tu n'arriveras pas, donc c'est relié à la réussite sociale. Bonnet d'âne, tu dis pas, donc dans les générations précédentes, c'est vrai que c'était quelque chose, faire des études, c'était quand même exceptionnel, et donc ça marquait, même si le problème aujourd'hui, on s'en rend pas vraiment compte parce que. On a relativement la possibilité tous d'aller à l'école. Tout à fait. Et malheureusement, les jeunes, maintenant, même avec des diplômes, n'y arrivent plus, ne trouvent pas forcément un travail à la hauteur de leurs études. Mais il y a encore 2 générations, quand on faisait des études, on était certain d'avoir un statut social. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc, voilà, il y a bien quelque chose derrière qui se trame autour de ça, autour de la D'accord. réussite. D'accord, eh bien écoute, c'est à moi d'aller chercher les informations et puis à décortiquer tout ça, connaître la cause. Ben oui, enfin, la cause, tu sauras pas forcément pourquoi, par exemple, quelqu'un a enfin, été déchu son statut social, mais tu auras des repères et au moins tu sauras que c'est vraiment autour de ça quelle est la problématique. Et après, tu pourras lâcher et te dire, faire un travail pour dire ça m'appartient pas, c'était l'histoire des autres, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Bon, apparemment, je n'ai pas quand même à remonter très très loin. Non, 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 je pense que. Jusqu'aux arrière-grands-parents, ça sera déjà largement suffisant. Après, voir au niveau des frères et sœurs des grands-parents. Tout à fait, oui. Bon, bah, je vais voir tout ceci. Je te remercie en tout cas, Kaïtan, Mais je t'en prie, Magali. de m'avoir donné toutes ces informations, toutes ces pistes à suivre, très intéressantes. Eh bien, bon amusement maintenant avec. Oui. Récupérer les documents. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Kate. Ben voilà, c'était super. Ouais. Je te remercie, Ouais. Jeff, de m'avoir fait passer l'émission ce soir. Elle est forte, hein? Ouais, disons.
Bah tiens. C'est impressionnant, hein? C'est clair, c'est clair. Bah c'est clair et quête. En fait, voilà, mes Oui. chouchoutes. Ah Voilà, ouais, voilà, mais voilà. c'est Eh bien, je te vraiment dis à bientôt, Magali. réaliste. D'accord. Eh bien, écoute, je vous embrasse tous les deux bien Bonne fort. soirée, Magali. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Bah oui, il faut le dire, quoi, quête. Ben oui, Quand même, mais hein. Voilà. On n'a que des bonnes personnes sur le sur LTU. ben bien sûr, tu sais, Voilà. mais c'est pour toi qu'on est là. Oh, pas pour moi, c'est pour les auditeurs, Mais pour faire si, plaisir. comme tu es une bonne personne, du coup, tu attires des bonnes personnes. Ah oui, vu comme ça, oui. Là, je, bon, Oui. voilà. Bon, c'est gentil. Mais je suis tout rouge derrière mon écran et ça se voit pas. Voilà. Alors, on va s'écouter Christine and the Queen. Très bien. Et de suite après, nous recevrons Karen. D'accord, Voilà, on voilà. prépare tout ça. Voilà, de rester avec nous, on revient. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne ltu-radio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt! Voilà, c'était donc Christine and the Queen. Et on retrouve l'arbre aux étoiles avec notre amie Kate. Voilà, que vous pouvez aussi retrouver dans le privé comme dans le professionnel pour ses consultations. Bah, rendez-vous sur sa page Facebook. Si Pascal veut bien mettre le lien, ça serait super. Voilà, voilà. Et on accueille maintenant Karen. Bonsoir Karen. Bonsoir. Waouh, quelle voix toute douce. Oui. Voilà. Je vous laisse toutes les deux. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Alors, bonsoir Karen. Petite bonsoir. vérification. 1er juillet. Comment ça se fait? J'ai entendu, ça résonne. C'est Oui, bizarre. ça résonne beaucoup aussi chez Oui. moi. Ah, alors, c'est parce qu'il y a, y a, y a sûrement une radio qui doit être allumée quelque part. Ou J'ai alors un pas de kit main radio. libre. J'ai mon portable que je peux éloigner peut-être. Voilà, il faudrait baisser un petit peu le son peut-être du portable, histoire qu'il n'y ait pas de retour de son. Oui, il est éteint pourtant. J'ai I don't éloigné. know. Ouais, ça va partir de toute façon. C'est juste comme ça de passage. Voilà. Bon. C'est parce que je m'entends deux fois, du coup, ça fait bizarre. Oui. C'est un écho. Une double parce Est-ce que que tu es c'est averti. mieux? Une personne avertie en vaut deux. Voilà. Alors, donc, À toute petite allure. vérification, Karen. 1er juillet 1974, C'est bien ça, oui. 7h15 du matin. À 7h15, oui. Voilà. Donc, ça nous donne un cancer ascendant Lion avec la Lune en Sagittaire. Voilà, mélange de feu et d'eau. Alors, donc, du point de vue psychogénéalogie, donc maison 4, on retrouve Uranus. Uranus qui est la planète des bouleversements Oui. assez rapides et radicaux. Donc ça, c'est dans la maison des origines, hein, des racines, ce qui peut laisser supposer qu'on a une affaire à une famille qui a eu, qui a vécu des choses, enfin dans les dernières générations, ça a été assez mouvementé. Maison 8, donc maison des tabous, des crises, elle est vide. Donc a priori, il n'y a pas de choses importantes à ce niveau.
Et puis la maison 12. Donc maison 12, c'est la maison des mémoires enfouies, de l'origine des problèmes qu'on a oubliés. Et là, par contre, on a trois planètes, dont le Soleil, qui marque l'identité. Excusez-moi, voilà, c'est bon, je croyais que j'allais éternuer. Le Soleil, Mercure et Saturne. Donc, le Soleil, c'est vraiment notre identité profonde. Et Mercure, ça marque la fratrie. Et Saturne, donc, les frustrations, la rigidité. Ça marque plutôt ou la lignée paternelle ou les hommes de la famille en général. Ce Saturne, il est aussi en lien avec la planète Pluton, ce qui laisse supposer qu'il y a quand même eu des... Des pertes de racines, quelque part, des pertes d'identité, des pertes de racines. Donc, qu'est-ce qui a été vécu par les ancêtres précédemment? Est-ce qu'ils ont connu des pertes de des grands déménagements, voire l'exil? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, du coup, au niveau de mes ancêtres, de ceux que je connais, en tout cas, au niveau maternel, le grand-père n'est pas très défini. La grand-mère a abandonné ma propre mère. Autrement, du côté paternel, je ne connais, je sais pas, j'ai connu aucun grand-parent en fait. Et donc, du côté paternel, de ceux que je connais, ils sont morts relativement tôt. Et du coup, donc un grand-père marin et une grand-mère au foyer, voilà. Donc du coup, je peux même pas trop savoir parce que c'est vrai que finalement la perte de la famille, enfin dans ce sens-là, je j'ai pas aucune racine vraiment sûre quoi. Donc du coup, Et du coup, effectivement, cet Uranus dans la maison des racines, ça demande à comment dire à être différent, à se construire sur quelque chose. Comme s'il y avait, puisque l'identité n'est pas définie, ben en fait, il faut faire quelque chose de complètement différent. C'est comme si c'est l'histoire de l'électron libre. D'accord. Parce que Uranus, c'est aussi notre part d'originalité. Et donc, ça demande de fonctionner, voilà, en électron libre, ce qui n'est pas forcément évident pour un cancer. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu pour ça que je suis venue vers vous, parce que je suis un peu perdue en ce moment. Parce que le cancer, c'est quand même la matrice. C'est le clan, c'est la famille. Donc, ne pas pouvoir se raccrocher à une histoire bien concrète, à une famille bien représentée, c'est effectivement très, très déstabilisant. Ça doit être assez difficile de trouver sa place. Oui, après ma famille proche, donc mes parents, mes frères et sœurs, on est vraiment très très unis. Oui, ben oui, il n'y a pas le choix. Oui, ouais, puis c'est super, tant mieux, tant pis pour mes ancêtres, mais bon. Oui. Mais c'est effectivement, il n'y a pas le choix de. C'est comme si. Alors tout à l'heure, je parlais d'exil, mais c'est une forme d'exil.
Les exilés, quand ils quittent leur famille et leur pays et leur culture, sont obligés de se reconstruire ailleurs avec d'autres repères. Voilà, c'est comme s'ils repartaient à zéro. Et en fait, ça donne cette impression-là. D'accord, oui. D'une cellule familiale qui s'est reconstituée complètement en dehors des repères et des liens avec les générations précédentes. Oui. Même au niveau de mon père, donc il a un frère qui s'est éloigné de lui aussi, donc plus aucun contact non plus. Ma mère, ses frères et sœurs, parce qu'ils sont une fratrie de 10 enfants quand même, exactement pareil, tous éloignés aussi. Donc en fait, vos parents, enfin des parents se sont bien trouvés, quoi. Oui, c'est vrai que du coup, et puis bon, on est 5 enfants, donc Oui. une bonne famille quand même. Alors, est-ce que tu as d'autres questions par rapport à ce que tu es en train de vivre en ce moment? Donc du coup, moi j'ai eu un assez gros drame très très récemment et donc du coup là c'est un petit peu essayer de me reconstruire aussi par rapport à ça puisque de toute façon il n'y a pas le choix non plus. J'ai pas d'enfant donc bon j'ai presque passé l'âge d'en avoir. Donc au niveau amoureux c'est le drame qui s'est passé et voilà, c'était un petit peu histoire de est-ce que peut-être il y avait quelque chose à construire pour moi. Au niveau professionnel aussi, bon pareil, c'est j'adore peindre, mais ça rapporte pas forcément. Donc du coup, là j'ai un grand jardin que j'ai construit, mais pareil aussi, ça ne rapporte pas plus. Donc du coup, enfin j'ai ces deux passions-là que j'essaye de retrouver malgré ce qui s'est passé. Et donc, c'était un peu peut-être pour savoir si. Et oui, et en dernier point, des douleurs dans une main qui, disons, m'embête, m'handicapent pour ces passions-là. Après, est-ce que ça peut venir. Je sais pas trop, hein, c'est pas évident, mais est-ce que ça peut venir de quelque chose, d'un blocage quelconque ou... Finalement, j'ai abouti à rien de concret qui pourrait être. Oui, Intéressant ou parce plus que, curieux. ouais, mais bien sûr, parce que c'est la cellule familiale est flottante. Et effectivement, c'est une contradiction, en tout cas, quelque chose de difficile à concilier entre ce besoin du cancer de s'épanouir et de se sentir relié à une cellule familiale, à un clan, à un cocon, et l'exigence de cet Uranus à vivre en électron libre. J'ai envie de dire presque sans racine. Oui. Mais en même temps, comment? Chiron, donc le guérisseur, il est dans la maison 10, hein, dans la maison de la place sociale. Donc effectivement, il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. C'est une porte de sortie, la profession, la vocation. Oui. Oui, c'est vrai. Donc, niveau social, alors plutôt. Oui, et en plus, là, il y a Uranus, hein, qui est en transit et qui arrive pratiquement sur ce Chiron, qui est à l'opposé d'ailleurs d'Uranus. Hein, donc là, il va y avoir un gros, gros. Il y a la possibilité d'ouvrir quelque chose, hein, d'ici la fin de l'année sur le professionnel et sur la vocation. D'accord. La main, moi, ça me fait penser à ce Mercure et Saturne, hein, parce que Mercure, c'est aussi toutes les activités manuelles. D'accord, oui. Et en plus, c'est le maître
du nœud karmique. Donc il y a peut-être quelque chose effectivement dans cette main qui vient signifier peut-être bien un blocage, oui. Alors là, c'est un peu. J'ai pas assez d'éléments pour aller creuser ce que ça peut être, mais effectivement, il y a une. Ça peut être un certain nombre. Enfin, c'est un indicateur de quelque chose, cette problématique à la main. Oui. Là, d'ici la fin de l'année, il y a des choses qui doivent se débloquer au niveau professionnel, au niveau de la vocation. C'est pas seulement le travail, hein, c'est vraiment au niveau de la vocation et de la place sociale. En plus, avec Mars en Lion, il y a des choses qui se jouent là en ce moment et qui vont. Saturne en Sagittaire. Il y a des choses qui vont s'ouvrir. Et puis du registre de l'intuitif. Normalement, tu devrais sentir là où ça va bouger. Oui, oui. Oui, j'essaye de vraiment me fier souvent à mon intuition parce qu'elle se trompe. Enfin, elle se trompe. C'est pas qu'elle se trompe pas, mais bon, des fois, j'ai l'impression quand même que c'est pas trop faux. Après, là, en ce moment, c'est un peu déstabilisant, mais du coup, oui, en fait, j'ai plusieurs propositions de travail qui sont du travail vraiment dur, physique, mais bon, c'est des bonnes places et. Limite, vu ce qui m'est arrivé, j'ai envie de tout lâcher pour recommencer à peindre. Après, est-ce que c'est une bonne solution? Parce que c'est encore un nouveau sacrifice, on va dire, entre guillemets, pas financier, mais bon, pour vivre. Je suis pas certaine que la peinture soit la porte de sortie. Ouais. Pas certaine. Et au niveau de du coup de la nature, alors à ce moment-là, dans l'entretien, donc puisque du coup c'est un jardin que je crée avec plein de plantes. Oui, oui, oui. Je verrai plus de parce que c'est un retour à la terre, hein. C'est une forme de sublimation de ce manque d'enracinement. Oui, symboliquement. Voilà. Oui. Donc, je verrais plus un aspect de travail thérapeutique, mais vraiment profession thérapeutique, dans effectivement le jardin et ce retour à la terre, plus que dans la peinture. D'accord, ok. Donc, moi, peut-être pouvoir. Je souris parce que ce ne serait pas le moment du tout, mais pouvoir aider d'autres personnes alors. Je ne sais pas comment tu vois les choses à travers ce jardin. Ben justement, du coup, au départ, c'était pareil, un jardin. Enfin, un jardin. Un maraîchage, faire des légumes, et voilà. Et du coup, maintenant, tout ce que j'arrive à me motiver à faire, c'est de planter des tas de fleurs, des tas d'arbres. Et voilà, et c'est vrai que pour moi, c'est si je suis dehors à planter, ça me fait énormément de bien. Donc j'imagine que ça ne peut pas être que pour moi. Oui, mais je sais pas dans quel sens tu dis aider les autres. En vocation, peut-être que si je fais si j'aide des personnes à apprendre à jardiner. Dans ce sens-là, oui. Oui. Ou alors c'est thérapeutique pour moi, peut-être aussi. C'est peut-être.
Mais je pense que c'est là-dedans que tu as possibilité de révéler le plus ton originalité et ton côté électron libre. Et effectivement, par la ricochet, accompagner des gens à découvrir qui ils sont, l'électron libre qui est en eux, à travers peut-être effectivement le jardinage. Je verrai comme ça. D'accord, ok. Oui, et puis ben, c'est un jardin un peu particulier. Hein. Il y a... Moi, j'essaie de construire des petites choses. Je mets des petites peintures, des petits personnages un peu partout. Ça reste créatif quand même, quoi. Oui. C'est un jardin qui sera unique. Oui. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, si tu dois cultiver, c'est vraiment le terme, à travers ce jardin, tu dois cultiver vraiment ton originalité et transmettre le goût aux autres de cultiver leur propre originalité. D'accord. Je pense que c'est dans ce sens-là que ça va se réveiller d'ici la fin de l'année. Oui, quand même, ouais, malgré Non. tout. D'accord. Et donc, oui, la peinture, alors. Peut-être en complément, peut-être que tu vas réussir à associer, soit la peinture restera quelque chose qui va te nourrir aussi, au sens nourrir ton âme et ta créativité. Mais je pense pas que ce soit une vocation à développer pour en faire une activité viable. D'accord, oui. Oui, Ça sera un complément, comme tu le dis, où tu mets aussi des choses peintes dans ce jardin. Oui, voilà, oui, ça reste quand même. L'embêtant, c'est que plus je jardine et plus j'ai mal à la main et moins je peux peindre, quoi. C'est toujours un peu. Mais va approfondir cette problématique avec la main. Oui, parce qu'elle me dérange depuis mes 30 ans, donc ça fait 10 ans. Et c'est vrai que j'ai été opérée aussi, ça s'est plus empiré qu'autre chose. Et donc, du coup, maintenant, j'ai perdu la minutie. Où je pouvais dessiner assez finement, du coup, ça se fait plus non plus. Et du coup, c'est à choisir, quoi. Où je continue à travailler dur et puis voilà, la main elle s'arrangera pas quoi. Mais peut-être que si c'est un blocage justement. Et c'est intéressant parce que ça fait deux fois que tu utilises le terme travailler dur. Oui, c'est peut-être une fuite, mais bon. Je sais pas si c'est une fuite, en tout cas c'est le mot dur qui est à entendre. Pourquoi travailler Oui. dur? Oui, je sais pas. J'ai l'impression de tout ce que je fais, rien n'aboutit. Donc, du coup, je me dis que je travaille pas assez encore. Après, oui, c'est pareil, c'est personnel aussi. J'ai pas construit de famille non plus. Donc, voilà, c'est quitte à compenser dans quelque chose. Il faut que je compense dans le travail, Oui, mais dans ça, tout ce que. c'est pas un souci. C'est le mot dur qui passe sa place. Non, enfin, je dis de... Pourquoi travailler dur? Et du coup, la dureté, elle apparaît dans ta main. C'est une rigidité de dire je dois travailler dur. Saturne là, D'accord. qui parle. Et du coup, cette Oui. rigidité, cette dureté, elle passe par la main. Elle vient peut-être te D'accord. parler de ça, cette main, que de ta dureté, de ton besoin que les choses soient dures. Oui. Oui, c'est vrai que oui. Ça peut être,
ça peut être ça. C'est... Prendre du plaisir à travailler, peut-être, alors plutôt à dire. Oui, et aussi, ce vocabulaire, il renvoie à... Tu vois, tu dis, les choses n'aboutissent pas, c'est peut-être parce que je ne travaille pas assez dur. Oui. Et j'ai envie de dire, travailler dur, c'est souvent une expression qu'on emploie pour des gens qui, justement, n'ont jamais rien réussi. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont restés dans une condition sociale difficile. Ils ont travaillé dur toute leur vie. Les gens qui réussissent, on ne dit pas qu'ils travaillent dur, on dit qu'ils travaillent beaucoup. Tu vois la différence ? Ah oui, oui, oui. Oui, j'ai peut-être pas assez insisté dans la durée. C'est pas tellement ça. C'est entendre le vocabulaire. Oui. Les gens qui réussissent, on dit d'eux qui parlent, ou ils disent eux-mêmes qu'ils travaillent beaucoup. Ils disent pas qu'ils travaillent dur. Parce qu'ils font ce qu'ils aiment. Donc c'est pas travailler dur, c'est simplement travailler beaucoup. Les gens qui travaillent dur, c'est les gens qui restent dans la misère. Donc c'est dur le travail. Oui, oui. Oui, et oui. Pourtant, quand je travaille dehors, tout ça, j'ai déjà fait des 10 heures de travail, ça ne me dérange pas parce que j'aime ça. Oui, non, mais j'ai bien compris. Donc c'est le vocabulaire que tu utilises qui va à l'encontre de ce que tu fais. Donc ça ne peut pas aboutir si tu mets tout ton cœur mais que tu dis que c'est du travail dur et que travailler dur c'est associé à la non-réussite, tes projets n'aboutissent pas. D'accord, ok, ouais. Tu vois ? Ouais. Parce qu'en fait tu ne travailles pas dur puisque tu aimes ce que tu fais. Tu travailles beaucoup. Oui, oui. Oui, oui, c'est logique aussi, oui. Ouais. Donc, mets-toi dans la tête que tu travailles beaucoup pour réussir, mais pas que tu travailles dur, sinon tu réussiras jamais. D'accord. Tu seras dans la condition des ouvriers, des gens qui ont travaillé effectivement très dur dans leur vie et qui, à la fin de leur vie, ben, ils sont usés, puis c'est tout. Oui, ben oui, c'est un peu ça plutôt. Hein ? Voilà. Tandis que toi, tu travailles beaucoup pour avoir une belle vie. Oui, ben oui, c'est... Et pour rendre belle la vie des autres. Donc, oui, tu travailles beaucoup, mais tu ne travailles pas dur. Donc, tu peux réussir. Je vais me mettre ça dans la tête. Tu vois, quelquefois, les mots, hein, c'est... Oui, c'est vrai que ça change beaucoup. Hein. C'est des choses qui sont... Comme... Pareil, je viens d'arrêter de fumer aussi. Et puis, enfin, souvent, quand on en parle, c'est un vocabulaire ou une phrase qu'on va retenir et qui va faire en sorte que ça puisse marcher. Et puis... Voilà. Et vis-à-vis de ta main aussi, il y a peut-être quelque chose de ça. Mais comme c'est dur, on souffre. Oui. Hein? Après... Oui, oui, c'est particulier aussi. Enfin, souvent, peut-être que j'en fais trop. J'ai un tout petit gabarit et. Oui, peut-être parce que justement, tu penses. Tu l'as dit tout à l'heure. Je travaillais dur, mais peut-être j'ai pas encore fait assez. Oui. Manque de confiance aussi en ce que je fais sur mon. Oui. Peut-être aussi dans ce sens-là, quand on n'y croit pas, ça n'arrive pas non plus, quoi. Peut-être. Voilà, mais sache que là, tu as le soutien d'Uranus. C'est notre part de génie, notre part... Il n'a pas de complexe, Uranus. Hein. Oui. Oui, et puis ben donc du coup ben, par rapport à mes ancêtres, c'est vrai que c'est un petit peu flou, donc voilà. Mais je pense que tu dois pas
Tu dois pas forcément chercher, toi, aller retourner, puisque l'objectif, c'est justement de reconstruire quelque chose de complètement nouveau. Oui. Non? C'est ce que tes parents ont commencé à faire. Donc, toi, tu Oui, continues à aussi. t'annoncer. Fais des choses nouvelles dans ta vie. Oui. Manifeste la nouveauté, les choses inédites. C'est ça ta voie de guérison. Oui. Ben oui, j'espère que ça va changer un peu tout ça. Et au niveau personnel, de couple, vu que c'est des catastrophes l'une sur l'autre, c'est dans le même sens peut-être aussi alors. Pardon, j'ai pas compris le. Au niveau du couple, en Oui. fait, du couple ou de ta famille, ce sera un peu pareil ou justement, j'ai pas à construire. Enfin, est-ce qu'on peut voir si j'ai pas à construire quelque chose de. Une famille, par exemple, une propre Bien. famille. Moi, j'ai dans la famille de. Enfin, dans la. Dans la maison, pardon, de la vie sentimentale, il y a un défi, hein, puisqu'il y a le nœud karmique du défi, avec la lune conjointe à Neptune. Et comme la maison 7, donc la maison du couple, est dans le Verseau qui est le signe du Uranus, et qu'Uranus est au foyer, c'est pareil. On ne peut pas construire une famille traditionnelle, ni un couple D'accord. traditionnel. D'accord. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est pas, y a pas un signe de solitude ou de. Non, c'est le couple, il est tout à fait possible. La vie sentimentale, elle est tout à fait possible. Mais en dehors des sentiers battus. D'accord, ok. Et je pense que c'est dans la même lignée mets-toi pleinement à marquer ton originalité dans ce que tu fais, et tu vas attirer à toi des gens qui sont dans le même registre et qui accepteront ton côté électron libre. Tu peux pas construire quelque chose avec un homme qui est dans un schéma traditionnel du couple et de la famille. Oui. Il te faut quelqu'un qui est dans le même schéma que toi, quelqu'un qui est capable de s'engager dans le couple, hein, pas quelqu'un qui vit des amours perturbés ou non, non, c'est. Ça peut être quelqu'un de très engagé, mais d'à la fois d'indépendant qui rentre pas dans les moules non plus, qui a son petit côté, son petit grain de folie et qui va accepter le tien et qui va pas chercher à marcher sur tes plates-bandes. C'est encore le cas de le dire. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait, oui. Hein? Et ça n'empêche pas forcément un couple et une vie commune, hein? Mais pas comme les autres l'envisagent ou comme on a une tradition, une image, on imagine voilà ce que ça doit être un couple, une famille. Voilà, ça peut pas rentrer dans ces schémas-là. D'accord, ok. Mais c'est quand même un couple différent avec son mode de. Ça pourrait être perturbant pour les autres vu de l'extérieur, et ça ne veut pas forcément dire non plus un couple où chacun fait ce qu'il veut dans son coin, il va voir à droite et à gauche, c'est pas ça du tout. Mais c'est une rencontre d'électrons libres, voilà. D'accord, oui. Donc je pense que la porte, elle est là aussi d'aller de développer ce côté-là en toi, de faire des choses qui originales, qui sortent de l'ordinaire, et tu attireras à toi quelqu'un comme ça. Oui. Oui. Ouais. Je pense que je l'avais trouvé et puis il est décédé, donc c'est. Oui, du coup, maintenant, c'est peut-être.
C'est, oui, voilà, c'est peut-être comme ça. Maintenant, je vais m'occuper de moi, parce que j'ai pas trop le choix. Et puis, ben, c'est ce que je devais vivre sûrement avec cette personne-là. C'est vrai que c'était ça. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Il y a d'autres choses derrière. Ouais. Ok, super. Bon, il ne faut pas que je prenne tout le temps. Vous me dites. Hein. En tout cas, c'est plein d'indices et puis d'aide aussi. Hein. C'est vrai que. Voilà, ben j'espère effectivement que je t'ai donné quelques pistes pour avancer. Ça peut bien correspondre à mes soucis à régler, non, mais mes chemins vers les Canadiens. Mmh. Voilà. Et c'est pas gentil de m'avoir appelé. Je vais te souhaiter une bonne fin de soirée, Karen. Merci beaucoup. Super. Et puis, belle continuation dans tes projets. Il faut. Oui. Voilà, Karen. On te fait des gros bisous. Gros bisous. Allez, gros bisous. Et puis, à très bientôt. Et puis, pourquoi pas in the chat pour discuter. Oui, bah, j'espère. Voilà. Maintenant que je vous ai connu. Voilà, bah, y a un chat et puis si tu veux aller dedans, bah, tu peux aller. Puis c'est plein de belles personnes et qui demandent qu'à parler. Oui, je les ai rencontrés un petit peu l'autre fois et voilà. C'est déjà super. Ouais. Donc on t'invite cordialement à les rejoindre si tu veux bien. Voilà. D'accord, bah, merci beaucoup et merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Voilà. Bonne soirée, Karen. Salut, Karen. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Voilà. Oui. Ouh, c'était émotionnant. Oui, hein. Hein, quand même, hein. Voilà, tu es allé puiser au fond. Tu es allé chercher les choses au fond, ben, on va dire. Oui. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est venu comme ça. Bon. C'est ce qu'il faut. Oui. Voilà. Alors, on va accueillir Marie-Josée après. D'accord. Hein, et on va s'écouter Bad Romance. C'est une chanson de Lady Gaga, mais qui est interprétée par Pascal Monod. Voilà. D'accord. Bon, écoutez ça, on va bien voir. On se retrouve d'ici 3-4 minutes, quoi. Alors, ne nous quittez pas, on est là, on revient. On revient. À demain, vers demain. L'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne deltauradio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà, et donc Adjira, vous donne rendez-vous vendredi prochain pour les techniques corporelles énergétiques à partir de 21h. Voilà, on retrouve Quête et l'arbre aux étoiles. Voilà l'émission de psychogénéalogie. Et normalement, on devrait avoir Marie-Josée au téléphone. Allô, bonjour, allô, allô. Bonjour, Jeff. Oui, ça va, Marie-Josée? Ça va très bien, merci. Super. Bon, alors je vais te mettre entre les mains d'une personne qui va tout te dévoiler sur toi-même. Bien sûr. Voilà, tu vois, ça va être génial. Et je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonsoir Marie-Josée. Bonsoir Quête. Alors, petite vérification, 8 mai 53. Oui. À minuit 10. Oui, 0h10, oui. Voilà. Donc, ça nous donne un taureau ascendant Capricorne avec la lune en poisson.
Donc, de la terre et de l'eau, un mélange très féminin. Alors, si on regarde l'aspect psychogénéalogie du thème, donc la maison 12, qui est la maison des mémoires, elle est vide. La maison 4, qui est la maison des origines, on y trouve le soleil, c'est-à-dire l'identité profonde, ce qui sous-entend que vous avez votre identité profonde est vraiment liée à l'histoire de la famille. Oui. Et elle s'est construite vraiment en rapport avec le foyer d'origine et puis tout le contexte familial. Et dans la maison 8, qui est donc la maison des tabous, des crises vécues par les générations précédentes, on retrouve Pluton et Lilith. Donc Lilith, c'est pas une planète, c'est un calcul sur le parcours de la Lune. Donc Pluton représente vraiment les déstructurations profondes. Au niveau physique et psychologique. Et puis Lilith, ça représente quelque chose de qui est toujours difficile à définir, qui est à la fois une recherche d'absolu, là où on fait aucune concession, et en même temps, paradoxalement, c'est là où il peut y avoir des mensonges. Et donc, Pluton, qui marque les déstructurations, est lié justement en aspect de tension avec le Soleil. Donc, c'est comme si dans votre identité, vraiment les blessures profondes, les traumatismes profonds de la famille avaient constituer une part de votre identité. Est-ce que ça vous dit quelque chose, tout ce que je dis là depuis tout à l'heure? Oui. Je pense plutôt du côté de la lignée maternelle. Oui. Parce que effectivement, hein, ça laisse supposer que vous avez ce qu'on appelle engrammé en psychogénéalogie, c'est-à-dire que c'est vraiment une trace au niveau des cellules, hein, des traumatismes de la famille. On sait maintenant que ça s'inscrit directement dans l'ADN. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté ou qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie ce soir de participer à l'émission pour qu'on regarde tout ça? Alors, je pense que dans ma vie, je suis passée à côté de beaucoup de choses parce que ma mère était schizophrène. Mmh. Donc, j'ai été éloignée beaucoup d'elle étant enfant. Je n'ai pas été élevée par elle. Donc, c'est mon père qui avait ma garde à la suite du divorce de mes parents. Et c'est lui qui a assumé mon éducation. D'accord. Donc, et par la suite, vers l'âge de 14 ans, j'ai fait une coupure avec ma mère volontairement. Parce que je pense que j'avais besoin d'échapper à plein de choses qui me faisaient peur que je voyais dans ma mère. Oui. Parce que ma mère, elle entendait des voix, elle me faisait très peur. Mm-hmm. Donc, et je l'ai revue 25 ans plus tard. Donc, je pense que j'ai voulu m'éloigner d'elle pour me construire. Oui. Loin d'elle. Mm. D'ailleurs, je disais toujours, je ne veux pas ressembler à ma mère. Mais oui. Voilà. Donc, et j'ai repris contact avec elle, surtout dans les dernières années de sa vie. Mmh.
Et alors là, je pense que j'ai décidé de faire réparation et de lui donner de l'affection, de l'amour et de lui dire que je l'aimais parce que je n'ai... Pendant très longtemps, je ne pouvais pas communiquer avec elle. Oui, mais... C'était bloqué. Communiquer avec un schizophrène, c'est parfois compliqué. Oui. Hein, ils ont des repères qui sont complètement différents. En même temps, je ne suis pas certaine que... Enfin, je dirais même plus que je pense que cette schizophrénie de votre maman... Elle est déjà un marqueur des traumatismes des générations précédentes. Alors, j'ai entendu dire, ça dans la famille, que le père de ma mère était un homme violent. Il était fermier et j'ai entendu dire qu'il maltraitait ses animaux. Donc, j'ai entendu ça. C'est tout ce que je sais. Voilà. Parce que, bon, il y a des choses qui ne se disaient pas. Non, et sa violence à lui, elle était déjà probablement... effectivement signifiante d'autres violences. Hein. Oui. Donc... En fait, votre maman a probablement été ce qu'on appelle le porteur du symptôme. C'est-à-dire que la famille, c'est un système qui a son économie psychique, pour reprendre un terme freudien. C'est-à-dire que elle essaie de tenir en équilibre. Et elle a son mode de fonctionnement interne qu'on ne voit pas forcément au premier abord. Et en fait, il faut que tout le monde soit à peu près équilibré pour que l'ensemble tienne debout. Et quand il y a un gros choc, le système est complètement déséquilibré. Donc inconsciemment, le système va... va désigner un membre pour porter le symptôme et pour que le reste du système reste sain. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui, je comprends. Voilà. Et donc, je pense que votre maman a été désignée comme le porteur de symptômes. C'est-à-dire que pendant qu'elle était malade, le reste du système continue à fonctionner. C'est l'élément sacrifié, en fait. Oui. D'ailleurs, elle était mise à l'écart de la famille. Oui. On allait la voir de temps en temps, mais bon, c'était après pour dire « Oh, la pauvre !» Elle était complètement rejetée, quoi. Oui. Et c'est... déjà, la folie, ça fait peur. Mais oui, ça fait peur. En même temps... même sans aller jusqu'au point de la schizophrénie, en psychogénéalogie, la personne qui va être porteuse du symptôme, alors c'est pas forcément une maladie, hein, mais qui va être désignée en fait par le système pour porter les problèmes de la famille, elle est souvent mise à l'écart. D'ailleurs, la personne, elle se sent comme n'appartenant pas à cette famille, étant le vilain petit canard de la famille. Parce qu'il faut la maintenir à l'écart pour ne pas être contaminée. Oui. Donc, c'est un système où on inocule la peste à un membre de la famille et on le maintient bien à l'écart pour que ce soit lui et lui seul qui maintiennent la peste. Donc, probablement quand même, vous, votre identité, elle s'est construite avec ça. C'est avec... Et du coup, vous avez été obligé de reproduire ce qu'a fait la famille. C'est-à-dire que vous avez été obligé de maintenir votre mère à distance. Oui. Hein? Parce que c'était le seul moyen pour vous de rester dans la partie saine du système familial et ne pas être contaminée par elle qui était porteuse du symptôme.
Vous ne pouviez pas faire autrement. Vous ne pouviez pas. Oui, parce que je... En fait, lorsqu'on a 14 ans et qu'on fait rupture avec sa maman, parce que étant enfant, mon papa, il avait un droit de garde un dimanche sur deux et au moment des vacances, alors il se partageait le... Mais après, j'ai dit à mon père un jour, j'ai dit, je ne veux plus aller chez maman. Oui. Je ne peux plus. Mmh. Donc, à 14 ans, vous savez, c'est... c'était vraiment parce que je le ressentais très profondément. Oui, oui, oui. Mmh. Mmh. C'était une procédure de sauvegarde. Ouais. Vous ne pouviez pas faire autrement, comme le reste de la famille avait, ne pouvait pas faire autrement. Mais parce qu'elle apportait effectivement la peste de la famille. C'est-à-dire toutes les tabous, les violences qui avaient été... Alors, on peut tout imaginer, hein, parce qu'il s'en passait des choses dans les familles à la campagne. Hein. Oui. On peut imaginer ce qu'elle a porté involontairement pour sauver tout le système et pour permettre aux autres membres de la famille de vivre à peu près normalement. Comment vous sentez-vous aujourd'hui, les conséquences de tout ça dans votre vie, ça se manifeste comment? Eh bien, je pense que j'ai toujours ce manque d'une maman aimante, affectueuse. Mmh. Mais moi, personnellement, donc, j'ai eu des enfants et je me suis toujours dit que j'aimerais mes enfants, que envers et contre tout. Et donc, je suis une maman heureuse et une grand-mère heureuse aussi. Voilà. Et donc, je suis mariée aussi. Donc, je suis bien avec mon mari. Donc, mais bon, il y a un manque. Oui, bien sûr. Et puis, je ne pouvais pas avoir de conversation normale avec ma mère. C'était pas possible. Il n'y avait pas de cohérence dans les discours, sur n'importe quel sujet d'ailleurs. Donc, ça m'a beaucoup manqué. Oui. Par contre, avec mon père, j'avais beaucoup d'échanges, mon père discutait beaucoup avec moi, mon père m'a fait grandir, m'a appris plein de choses. Voilà. Mais elle ne pouvait pas être cohérente. Puisque, non, elle ne pouvait pas. Le système était incohérent et en même temps, vous savez, c'est sûrement ces gros secrets de famille qu'il y a derrière. Donc, il y a des manifestations du secret de famille qui se passent, on ne peut pas le dire. Donc, les conséquences que ça a, c'est que vous avez des personnes dans les familles où il y a un secret de famille qui ne parlent pas. Quand ils sont en famille, ils ne parlent pas. À l'extérieur, au travail, avec leurs amis, sont souvent des gens très disert, qui plaisante, etc. Mais en famille, ils ne parlent pas. Parce que inconsciemment, ils ont peur de lâcher quelque chose sur le secret de famille. Ils ne savent même pas qu'il y a un secret de sa famille. Mais inconsciemment, oui. C'est « je me tais ». Ou alors, vous avez l'effet inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui va parler, de tout et de rien, mais surtout pour qu'on n'aborde pas le sujet qui fâche. C'est pareil, il n'en est pas conscient. Et je connais ça parce que j'ai mes deux frères qui sont comme ça. Il y a le secret de famille dans la lignée paternelle. Et j'ai un frère qui ne parle pas en famille, mais pas un mot. Vous pouvez passer une journée avec lui, il va être assis à table à côté de vous, il ne dira pas un mot. Et l'autre, il n'arrête pas. Il fait les questions et les réponses. Et inconsciemment, ils sont pris là-dedans. Et tous les deux, c'est pour ne surtout pas
que malencontreusement le secret sorte. Mais j'ai beau leur dire, hein, ils me disent que je raconte des histoires, que c'est mais c'est bien ça. Et votre maman, elle ne pouvait pas être cohérente. Être dans le délire, c'était aussi une façon de maintenir le secret. C'est-à-dire que de toute façon, son incohérence et son délire, même si elle lâchait le secret, personne ne la croirait, puisqu'elle délirait. Vous comprenez ? Oui, je comprends. Elle avait pas elle-même, elle n'avait pas conscience d'un secret de famille, parce que... Bien sûr que non. Puisque ça, comment dirais-je, ces souffrances génétiques, je ne sais pas si on peut dire comme ça, ces souffrances-là, elle les avait en elle et puis ça l'a manipulée à son insu. Voilà. Et si on avait connu le secret de famille, on aurait probablement pu la guérir. C'est le problème de la psychose. Ça, on sait depuis la Bible. On sait ce que ça cause aux générations. Et celle qui l'a remis au goût du jour, c'est Françoise Dolto qui a bien expliqué qu'il faut 3 générations pour créer un psychotique. Non, non, c'est une situation très douloureuse, hein, très douloureuse. Maintenant, il faut vous dire que vous avez eu la chance, vous, d'être épargné par ça et d'avoir pu construire une vie de famille épanouie. Hein? Alors, oui. Oui, par contre, j'ai 2 demi-frères qui n'ont jamais voulu lui parler. Mmh. C'est passé la même chose que moi. Donc, ce sont des enfants qu'elle a eus. Ces 2 demi-frères, elle les a eus avec son premier mari. Et moi, je suis issue du 2e mariage. Donc, là encore, même cas, c'est le père qui a eu la garde de ces 2 garçons et ils n'ont jamais repris contact avec la mère, enfin, avec ma mère. Donc, elle a été complètement abandonnée aussi par... Sauf un autre enfant naturel qu'elle a eu entre ces 2 mariages et qui, elle, s'est vraiment beaucoup occupée d'elle et avec beaucoup d'amour. Oui. C'est jusqu'à la fin. Mais c'est donc, une enfant naturelle. Comment ? C'est une enfant naturelle. C'est un enfant naturel, oui. C'est un demi-frère, c'est un enfant naturel, oui. Et justement, lui, il a probablement... comment dire, il participait... Sa situation participait sans doute du secret de famille et de la mise à l'écart. Et du coup, effectivement, étant enfant naturel, il était lui-même probablement rejeté... Et il y a une forme de mise à l'écart et du coup c'est ça qui l'a rapproché de sa mère. Oui, parce que quand ma mère est décédée il y a 2 ans, ce demi-frère là, cet enfant naturel qu'elle avait eu, il lui a dit: mais pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as abandonné? Alors que c'est lui qui aussi. C'est lui qui s'occupait d'elle, comment dirais-je, il était devenu comme son parent. Oui. Mais il avait plus de mère. Et il avait plus de mère. Mais bon, il s'occupait d'elle, tous les soins dont elle avait besoin. Vraiment, c'est merveilleux de voir quelqu'un avec autant de dévouement, parce qu'elle a eu beaucoup de chance d'avoir ce demi-frère qui s'est occupé d'elle ainsi. Oui, mais ils ont probablement rejoué à deux quelque chose de, j'ai envie de dire, d'incestueux. Et il y a probablement cette dimension-là dans le secret de famille. Alors, je ne dis pas qu'il y a eu un inceste entre eux. Hein. Non, je ne pense pas. Mais du point de vue symbolique,
c'est ce qui s'est reproduit. Je ne pense pas, parce que donc il a ce demi-frère, il a récupéré, enfin donc il a accueilli ma mère sur les dernières années de sa vie à son domicile. Et elle avait une personne qui, enfin plusieurs personnes qui s'occupaient d'elle. Donc c'est pas lui qui s'occupait d'elle, mais enfin bon, il avait il l'accueillait, il s'occupait de tout ce qui était problème pratique, enfin concernant ses soins, quoi. Donc, voilà. Non, non, mais je pense qu'il n'y a pas eu cette dimension-là, mais symbolique. Oui, non, mais je comprends. On peut jouer quelque chose de cette histoire, d'une histoire comme ça qui a été en fait. Oui, parce qu'il l'a toujours protégé, toujours. Et pourtant, c'était une personne, bon, quand elle était dans ses crises, pas sur la fin de sa vie, pas sur les dernières années de sa vie, parce que la maladie d'Alzheimer s'est emparée d'elle et elle n'avait plus de mémoire, elle était devenue très calme. Mais. Tant qu'elle était, qu'elle avait des crises, elle était donc très 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 coléreuse et elle criait après tout le monde, elle insultait, c'était très très dur. Mais il a toujours tenu le coup, il s'occupait d'elle, il lui amenait ce qu'il fallait. Si elle n'était pas gentille avec lui, il ne s'en occupait pas, il n'en prenait pas ombrage. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Donc il avait une patience infinie avec elle. Oui. Il y a une notion de sacrifice là-dedans. Une notion de sacrifice. Pour conjurer la honte, hein, parce que Pluton et Lilith dans la maison 8, c'est la honte. Donc il a conjuré la honte par le sacrifice. Mais bon, peut-être que ça s'est arrêté là comme ça et que son acte, justement, a réparé les choses. Donc, vous en avez gardé une trace en vous, mais ça a été déconnecté par son acte de sacrifice. Il a nettoyé les choses, probablement. Oui, vous voyez, je n'aurais pas pensé à ça, vous voyez, pas du tout. C'est... Voilà, on fait quelquefois les choses pour les compliquer sans être conscient de pourquoi, mais on fait aussi quelquefois les choses pour les guérir et on ne sait pas non plus pourquoi. Voilà. Je vous remercie, Kate, pour votre analyse. Merci pour votre témoignage, parce que vous avez quand même confié des choses assez intimes. Oui. Voilà, mais je pense que c'est des choses qui résonnent aussi chez sûrement certains de nos auditeurs. Et du coup, quand on livre des choses comme ça, ça fait avancer beaucoup de monde aussi. Oui. Oui, parce que moi, j'écoute aussi vos émissions de temps à autre et je trouve très intéressant. Ça ouvre l'esprit, ça permet de réfléchir. Et puis, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Donc, enfin, moi, personnellement, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Et je vous remercie pour la qualité de vos émissions. Tout ce que vous pouvez apporter aux auditeurs pour les éclairer. Je vous remercie. Mais c'est merci. Un beau cadeau de votre part. Mais c'est aussi grâce à vous qu'on peut le faire. Voilà. Merci à vous tous aussi d'être là et de participer avec nous et de permettre que ça puisse exister. Applause. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Marie-Josée. Merci bonne Marie-Josée. Soirée à vous aussi. Au revoir Kate et au revoir Jeff. Merci beaucoup. À bientôt.
Salut Marie-Josée. Et ben oui. Voilà. C'est vrai qu'elle a groupé pas mal. Hein. Bah oui. C'était beau. Ouais. C'était beau ce soir, hein, très émouvant. Oui, et nous dans le chat, pendant ce temps, on parlait de l'amour. Ah. Et du partage de l'amour et pourquoi on était sur Terre et voilà, pour apprendre l'amour, tout simplement. Mais oui. Voilà. Tu vois, Jean-Pierre, le Jeff, le chat permet quelque part de trouver l'escalier amore. Merci. Mmh. Voilà, tu vois, bravo quête de la part de Nanou. Voilà, je voulais vous dire merci par amour. Merci quête, super les analyses. Tu vois, que des mots comme ça pour toi. Mmh. C'est super merci gentil. Merci à tout le monde. Voilà. Eh bien, on va dire bonsoir à Soso, Nizou, Pascal, Fafa, Kata, Paola, Ludy, Nanou, Jean-Pi, Mysteria, Vava. Ah, Vava, c'est nouveau. Ou alors c'est quelqu'un qui a changé de pseudo. Bon, ben, bonsoir ou bienvenue aussi à Vava. Flip et welcome to Tatou Karine. Et bonsoir Tatou Karine aussi. Voilà, c'est deux pseudos que je connaissais pas. Voilà, plus les invités qui sont dans le chat et ceux qui n'y sont pas. Voilà. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Le Mysteria qui dit toujours aussi super, Kate. Nizi, Nizou, merci Kate, super les analyses. Tu vois, voilà. Que te dire de plus ? Ben rien. Merci. Voilà, c'est voilà. Tout le monde d'être là. Voilà, on te retrouve d'ici une quinzaine. Oui. Donc, on va demander aux personnes qui n'ont pas encore participé à ton émission de s'y inscrire. Oui. Voilà, et que ce sera toujours avec plaisir qu'on les accueillera au sein d'LTU Radio. Voilà. Je te fais des gros bisous, Kate. Un gros bisou à tout le monde. Bonne nuit. Voilà, générique, passez une bonne nuit. Donc demain, nous serons mercredi. Vous avez rendez-vous avec notre amie Jacqueline et l'écriture automatique ainsi que la médiumnité. Et en deuxième partie de soirée, vers 21h30, rendez-vous avec la TCI et nos amis Laurence et Sébastien. Voilà, sur ce, dormez bien, passez une bonne fin de soirée. Salut Kate, bisous. Salut, bisous.